je le désinstalle le jeu après, putain. Je vais jamais le finir ce jeu. Je vais jamais le finir. Je vais jamais le finir de ma vie. Je vais utiliser la console pour me faire apparaître la putain de fusée et je vais me casser de cette planète quoi. Sérieux. Jamais je vais le finir ce jeu. Tu crois que je passe là? Évidemment que non, hein, mur invisible. Eh ouais, eh. Parce que je suis un putain de développeur de merde, donc je fais des murs invisibles juste pour casser les couilles aux gens, quoi. Je crois. Personne me suit? On a trouvé un trou où c'est qu'il n'y avait pas de mur invisible, c'est bon. Oh la vache. Bon, maintenant faut trouver. Si je me rappelle bien, il y a une sorte de montée, non? Un truc comme ça. Oh yes, on y est! J'arrive pas à avancer, putain. Oh, oh la vache! Oh la vache! Sérieux? Je suis un gladiateur. Je suis un gladiateur. On y est. Ok. Attends, je suis monté par où moi? Je suis monté par là. Ok. Putain, ça va être chaud pour revenir après au truc. Oh la vache, ça va être la merde. Ça va être la putain de merde. Mais c'est pas grave. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Mais rien. Ah, on avance. Oh putain, comment? Comment? Comment quoi? Comment je fais? Non. Mémoire, c'est plus haut. D'accord, ok. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Warning, ship structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Ah, ok, ça marche. On y est, on y est. Désolé que c'est pris autant de temps, mais on y est. On y est, on y est. Je me fais attaquer de tous les côtés, c'est horrible. Putain, mais ah, y en avait pas autant avant. Je me rappelle, j'en avais croisé 2-3, même pas. Là, il y en a 3 milliards des trucs. C'est un lance-flamme qu'il faut, c'est pas un couteau. Putain, mais oh. Il se multiplie en plus.
Mais oh, vous arrêtez de venir. Ah mon Dieu. Par là, non. Oh la vache, lâche. Il y a rien à scanner, non, ça va. Faut passer par le feu. Putain, j'aurais dû prendre plusieurs kits en fait. Oh, j'ai plus de kits du tout. Ah la vache. Ah ouais, on aurait pu peut-être déplacer les objets avec le fusil, ouais. Oh la va. Oh, t'es sérieux. Oh non. Oh non. Non, non, non. Oh non. Oh la va. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Je t'en supplie, tombe pas. C'est quoi? Non, c'est des objets qui tombent. Tombe pas, tombe pas. Oh la vache, bouge ton cul. Ok, on est bon. Ok, ils sont sympas, ils donnent quand même beaucoup de choses. Non, je vois pas les messages d'Amalia, pourquoi? Sur Discord ou sur le chat? Yeah! On avance. On progresse. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Une pile. Aurora Systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Ok, on a un peu d'histoire. Ici. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barclay and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey Barclay. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Ah, mais il me faut vraiment le canon. Merde. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technology. Il me faut le canon en plus. Y'a personne qui voit les messages d'Amalia apparemment. Est-ce que j'ai un log ou un data log ou un truc qui me raconte des chiffres, qui me donne un code en fait? Je me rappelle plus. Je crois qu'on en avait eu un, mais je sais plus si c'était pour l'Aurora ou pas. Ah merde. Survivant. Donc, si vous voulez me dire le code.
Ouais, apparemment les messages d'Amalia sont invisibles, donc apparemment Twitch l'a complètement banni. Twitch même l'a banni. Bon, on a tellement de messages du PDA, c'est ça le problème. La banque de données, elle est énorme. Données téléchargées, code et indice. Ah, peut-être, code et indice. Non. 2679, peut-être. Ok, on va tester. Oh la vache, je te suicide pas non plus. Merde. Chaud, chaud, chaud. Yes. On y est. J'ai dit quoi? 2, 6, 7, 9. Ok. On va voir. Non, c'est pas celui-là. 1, 4, 5, 4. Ok. Merci. Bloc de nutriments, ça marche, cool. Ouh, c'est joli ici. Ça rappelle un peu. Ça rappelle un peu Alien. Je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Ça rappelle pas Alien du tout, mais je sais pas, j'avais envie de dire ça. Oh putain, cargo. C'est quoi? Un fournisseur majeur, technologie, voyage spatial, électronicien, fournisseur bien régulier, TPT. Non, on s'en tape. C'est sympathique ici. Tant qu'il n'y a pas d'eau, moi ça me va. J'aurais pas pu fermer ma gueule. Oh, fais chier. Y a quoi dans l'eau? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, y a des merdes là. Comment ça s'appelle ces merdes? Sangsues, oui, tout simplement. Il a une putain de portée le scanner, c'est abusé quand même. C'est énorme. J'espère qu'on peut remonter? Ah, sûrement sur les côtés. Ok. Halle des machines B de Simov. Oh putain, mais c'est super grand. C'était pas aussi grand avant. C'était pas du tout aussi grand. Je me rappelle que t'avais principalement une chambre. Et c'était la chambre pour colmater en fait les brèches du réacteur. Et c'est tout quoi. Là, t'as 3 milliards de trucs, c'est cool. De la suite RV. Taille 3 joueurs, ressources normales, joueurs à part la plage. Mais c'est quoi, c'est un jeu? On s'en tape. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh! Module promoteur pour Simote MK1. Oh, parfait, cool. Y a un truc à scanner. Ah, Simof, merde. Bah celui-là qui y va sans le Simov, franchement, qu'il y va à la nage, à l'Aurora, bah il a des couilles comac, hein, parce que moi je le ferai pas. Hein. Je veux bien faire le héros, mais ça non. Genre sans Simov, laisse tomber quoi. Deux chemins, on va voir là. C'est quoi? B à prone.
sais pas ce que c'est, prone. Découpe ici. Hop. Ouais, ça a bien changé l'Aurora. Je peux passer sans me brûler? Ok. Faut que je fasse attention à mon oxygène en fait. Horde de mission auxiliaire Aurora. Recherche et sauvetage. Équipage de vaisseau l'Empire Mongol Degazi. Dernière position connue aux alentours de la planète 4546B Bradadriaden. Contact, mission pop. Ouais, bref. C'est cool, mais. C'est pas aussi intéressant que ça. Putain de combinaison robot géante. Le code est 1869. Oh, un titan? On peut aller là? Non, on peut pas. Un titan? Non. Pas un titan. Qu'est-ce que je peux récupérer? Ah, pile, ok. Pile, de l'eau, de l'eau. Oh putain, je dois manger. Oh la vache. Ok, cool. Ça parle d'un titan, apparemment. Ça parle d'un super robot. Ça, ça tue, ça. Dis-moi que c'est ça. Combinaison Prawn. Oh, ça a l'air cool. C'est quoi qui vient de tomber dans l'eau? Ah. 1 sur 4, merde. Comment j'y accède sans me suicider? Je peux aller dans l'eau ou c'est électrifié? Ah, oh, la vache, j'ai eu peur. Bon, je crois qu'on est bon là. Mais au final, l'Aurora, il s'est fait défoncer par quoi? Il s'est juste crashé en fait sur la planète. Il s'est pas fait défoncer par le gros laser qu'on a vu. Parce que le laser, il a complètement vaporisé le vaisseau de sauvetage. Et là, il l'a pas fait, là. Ils se sont pris un... Genre une pluie de une pluie d'astéroïdes ou un truc comme ça, non? Oh, yes! Cool. Ah, on va la voir. Oh, yes. Ah, terrible. Diamant, je sais où c'est, le plongeant nez. Vert émaillé, j'ai les dents, donc c'est bon. Lingot plastacier, je sais c'est les trucs en titane. Je crois qu'il en faut 10 à chaque fois. Aérogel, je sais pas du tout ce que c'est. Mais on est sur la bonne voie. Ah, c'est cool. Putain, calme-toi mec. Ça va, on va éteindre un peu le feu, c'est bon, j'ai compris. Reste cool. C'est un peu l'extincteur du pauvre quand même, hein. Putain, ça marche pas, hein.
Bah, ça marche pas des masses. Hein. Oh la vache, je tombe pas à droite. On a fini ici? Attends, tu connais le coup de la rambarde? Hop là, là, tombe pas. Ah ah! Quartier résidentiel, ok. Pas les trucs à scanner ici? Non. Par contre, la nourriture, j'ai que un truc de nourriture, donc on ne va pas pouvoir rester 3000 ans non plus. Ça peut entrer dans le cyclope à la place du... à la place du Simoff. Cool. Sérieux. Ça va trop vite ces merdes. Oh. Qu'est-ce que je scanne? Étagère murale. Oh. On n'a pas eu besoin de... d'entrer le code. Je sais pas où on entre le code encore. Poubelle. 1-4, quelque chose. Keep calm. Ok, cool. Yes. Ça, ça s'ouvre pas. Oh, le feu qui revient! C'est quoi cette arnaque? Ah, on a de la bouffe, ça va. Bon, c'est bon. Au final, on peut rester 2 ans. Ok, y a rien. On peut pas ouvrir. Ah, ça va. On va pouvoir rester un bon moment. 1-4-5-4, merci. Un lit. Franchement, là, on a énormément de choses. Ce qui nous manquerait, c'est juste le cyclope, en fait. Comme ça, ça va nous permettre de... Oh, ça tue. Ça va nous permettre de créer notre base quand on pourra, quoi. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Ah, elle a l'air cool, la fille. Tant que t'as une... Tant que t'as une tenue de robot géant, elle est contente. Enfin, elle va rester avec toi. Sympa. Ça sert à quoi ces valises? Ça servait à rien avant. Maintenant, on peut stocker des objets dans la valise. Sac utilisé pour transporter des affaires personnelles. Quoi? Attends.
Ouvrir. Ah, ça tue. Ah, exact, on peut mettre des objets maintenant dans la valise. Ok. Je vais en prendre une, juste au cas où. Enfin, mais bon, on commence à être plein de toute façon, c'est un peu la merde. Ah, je peux. C'est combien d'objets? 2 secondes. C'est 4 ou c'est autre chose? C'est plus que 4, donc si je fais ça. Genre. Oh, pardon. Ok. Ok. Alors là, ouais, c'est bon. Ah, le sac n'est pas vide, ne peut pas être récupéré. Ok, ça marche. Ok, le jeu est pas. Le jeu est pas aussi con, ça va. J'ai essayé de gruger le jeu en fait. Mais non, ça a pas marché. Genre rajouter des objets dans le sac et après récupérer le sac. On a pris le soin, ouais, on a pris le soin, ça va. Non, là-bas. Combien on a de piles, quoi? Ouvert, vide. Merci. Ah tiens, Amalia qui est de retour. C'est bon, tu t'es fait débannir par Twitch? Par Monsieur Twitch? Au filtré... Valise... Est-ce que je peux l'ouvrir? Oh putain, je veux pas la ramasser, je veux voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien du coup. Sais pas si ça sert à quelque chose vraiment de prendre... Ah oui, c'était quoi? On avait dit quoi? 1-4 quoi? 1-4-5-4. Merde! Quelqu'un aurait le code de la cabine 1, s'il vous plaît. Alors peut-être que je l'ai. Hein. Code et indice. Un 8 6 9. Non? Yes. Integrating new PDA data. Lit double. Une casquette. Qu'est-ce que... Il y a trop de choses à récupérer. J'ai pas la place. Fais chier. On a un jouet. On peut l'équiper la casquette? Assigner un emplacement rapide déposé. Non. On peut pas mettre la casquette.
Oh, étagère murale. Une petite sirène ou une grosse langouste? Je vais pas crever en une fois quand même. Quartier du capitaine. Oh mon dieu, la vache. Quartier du capitaine. Alors. C'est quel code qu'on n'a pas fait? Ah oui, il y avait un code, un 4. C'était quoi? 1, 4, 5, 4. Non, c'est pas ça. 2, 6, 7, 9. Yes! Journal du capitaine. Capitaine Hot Dog Hollister. C'est quoi ce nom? Cultiver les plantes locales, utiliser le D-imploseur technique non disponible. Ok. Continuer, oui, non. Ah, il y en a un poster. Ah, une miniature d'Aurora, j'en ai déjà une, mais on va la prendre. Ah, mais ça, c'est vide. Ça me prend, ça. Téléchargement de données. Ok, ça marche. Wow. J'étais en train de glisser sur le... Sur l'extincteur, ça m'a foutu les boules. J'ai cru que l'Aurora, il était en train de tomber. Average long range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find and sit you, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora Long Range Communications Relay offline. Okay, cool. Extincteur. Faut que je jette des trucs. Je jette quoi, merde? Si je bouffe ça, je sais pas. Jeter le plomb. Attends, c'est pour les... C'est pour les posters, c'est important ça. Bon, je crois que cette zone, on a tout fait là. On a tout scanné, on a tout récupéré, ça c'est cool. On peut partir. Suivant. Donc Amalia était en train de parler en fait sur une rediffusion. Ah ok, pas mal ça. Ça c'est... ça c'est... Waouh. C'est pas mal. Je sais même pas quoi dire. Y'a rien là. Y a rien. Y'a eu un message, c'est quoi? Ah ok, porte c'est là, ok, ça marche. Qu'est-ce que... Lâche-moi! Lâche! Merci. Saloperie de sang, celui-là, con.
On venait de là. On est allé là ou pas? Oui. Après, il y a le hall des machines. On a fait ça ou pas? Wow, 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 wow. Ça y est, je crois qu'on y est. Je regarde s'il n'y a pas des trucs dans l'eau. Module d'amélioration rendant une bonne cyclope. Brèche. On peut scanner d'autres trucs ou pas? Ok, il n'y a pas de bestioles, ça va. Il y a juste des sangsues en fait. Ouh! Ouh, ça c'est pas bon ça. Je sais même pas ce que je vois en fait. Je vois l'extérieur, mais c'est très étrange. Ok, c'est parti. C'est l'heure de réparer. Ok, on va faire celles qui sont toutes sous l'eau d'abord, en premier, puis après on remonte. Qu'est-ce que... Pourquoi il est vert? Ah, il est contaminé lui. Ouais, me suce pas. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Là. Dernier. Là. Non, non, va-t'en. Il y en a beaucoup quand même, hein. Ok, on est bon. Oh merde, il y en a encore sous l'eau. Encore deux, je crois qu'elles sont au-dessus. Est-ce que si je prends de l'élan... Non. Il n'y a aucun élan à prendre. Wow. Okay. Ils ont pas mis d'animation pour les échelles? Ouais, bon ça quand même, ils auraient pu faire un petit effort. Hein. Juste mettre une animation, quoi. Ça va, c'est pas... Mais bon, bref. Yeah! Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Victoire. Victoire.
Alors, on va voir s'il n'y a pas autre chose encore à fouiller. Si on peut remonter ou pas. Ouais, évidemment. Ah, c'est un DLC à 75 euros pour l'animation. Ah ouais, merde, j'ai pas pris la Deluxe Edition, merde. C'est pour ça en fait. Je crois qu'il y a encore des salles qu'on n'a pas faites, donc on va faire ça, on va voir. Oh, ça lag ici. Ok. De ce côté, on n'a pas fait, on y va. S'il y a quelque chose en fait. Merde. Mais je crois qu'on a fini en fait. Code de la BA cargaison, bah elle était là en fait. 1454. Arrête de trembler, ça va. Y a rien là. Poster. On a fini, hein. Ouais, on va pouvoir retirer notre combinaison de anti-radiation maintenant, c'est cool. On va pouvoir faire les autres. Maintenant, il va falloir retourner à l'eau. Oh putain. Allez, ciao les crabes, vous êtes relous. Plonge dans l'eau, va voir le Léviathan. Ok, c'est par où? C'était par là-bas. Il est où le... Putain, 100 mètres? Non, ça, on va y aller doucement, on va pas plonger direct. S'il te plaît, je t'en supplie, tombe pas à l'eau, quoi. Oh, tombe pas à l'eau. Ah, oh, me dis pas que je suis obligé de... Ah, oh, merci, mon Dieu. Ok. Il est juste en dessous, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Après, je me casse à une vitesse, mais... Ça va être magique. Ça va être magique. Oh putain, ça y est. On y est. Il y a un truc à scanner? J'ai cru voir, non. Allez.
On sort, on va à gauche, on se casse. On sort, on va à gauche, on se casse. On sort, on va à gauche, on se casse. On sort, on va à gauche, on se casse. Ah, dis-moi que je peux passer par là. Putain, tu peux pas aller plus vite, sérieux? Oh la vache. On est bon, te retourne pas. Fonce, 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 fonce. Eh, va plus vite. Bon, allez, retourne-toi une fois. Non, c'est bon, on y va. On est toujours dans les eaux troubles. C'est pas bon. On est toujours dans les eaux troubles. Il y a toujours une chance qu'on rencontre un serpent géant. Ça va, c'est bon.